Somebody hit the World Trade Center. Hold on just a moment. We got an explosion inside. Evacuate the building. Another plane has just hit. It hit another building. I didn't see it. Oh, whoa. Oh, my God. We're under attack. I was on the South Tower, and I lost my fiancé that day. Harper n'aurait jamais imaginé revenir au 92 Greenwich Street. Et pourtant, la voilà, encore une fois. Comme lors de sa dernière visite, l'endroit est bondé. Du haut de son 1m50, elle ne voit pas grand-chose. Hein. Elle essaie de regarder à droite, rien. À gauche, toujours rien. Depuis ce matin, elle ne voit que des dos, des nuques et des uniformes de police. Pas étonnant puisque l'endroit est assez petit. À vue d'œil, Harper dirait qu'il fait moins de 100m². Avant, c'était une sandwicherie. Et pas besoin de beaucoup d'espace pour mettre de la salade entre deux tranches de pain. Du coup, tout le monde est serré comme des sardines. Nous sommes le 9 septembre 2005 et le lieu a subi une transformation incroyable. L'association des familles du 11 septembre a transformé l'espace en un sanctuaire à la mémoire des victimes. Désormais, ce sera le 911 Tribute Center. Les murs sont couverts de témoignages de survivants et, pour ne jamais oublier les 2977 personnes mortes ce jour-là, un mausolée leur est dédié. Leurs familles, leurs amis, tous ceux qui les ont connus y ont déposé des mots doux et des souvenirs. There was a plane going very low, all of a sudden it just hit the building. I heard the roar of an airplane engine, and then a boom, and then someone said a plane just hit Tower 1. And then we saw thousands upon thousands of paper. We ran over to see what had happened, and then we saw the big gaping hole in the first tower. Le 11 septembre 2001, deux avions s'écrasent sur les tours jumelles du World Trade Center. Si vous allez à New York aujourd'hui et que vous demandez à un local comment s'est passé votre 11 septembre 2001, vous pouvez être sûr qu'il vous dira « Mais je peux vous le raconter en détail, comment est-ce que je pourrais oublier ?» Et peut-être même que certains refuseront tout bonnement de répondre à vos questions. C'est vraiment un événement horrible qui a terrorisé tous les New-Yorkais et je dirais même le monde entier. Harper n'est pas une victime directe, mais elle les a aidés. Ce jour-là, elle était là, dans l'arrière-salle de cette petite sandwicherie, à distribuer des repas et des kits de secours. L'atmosphère était étouffante. Elle se rappelle encore de l'odeur du bois brûlé, de l'acier chaud, et surtout, une odeur qu'elle ne pourra jamais oublier, celle de la chair qui fond. 5 ans après, ses souvenirs, elle s'en souvient comme si c'était hier. Du coup, elle se dit, mais cette Tanya Head, elle a une force mentale incroyable. C'est pour voir cette femme qu'elle a osé affronter le froid glacial de New York. Enfin, la délégation arrive à son niveau. En tête, il y a celle qu'elle considère comme la survivante ultime du 11 septembre, Tanya Head. Tanya porte un magnifique costume bleu clair et elle parle avec beaucoup d'assurance. Michael Bloomberg, le maire de New York, est complètement captivé par ce qu'elle dit. Et c'est le cas de tout le monde dans la pièce. Rudy Giuliani, l'ancien maire de New York, et George Pataki, l'ex-gouverneur, sont tous les deux hyper attentifs à ses paroles. C'est elle qu'on a choisie pour inaugurer le 911 Tribute Center. Et elle tient son auditoire en haleine. Malgré l'émotion, elle raconte en détail comment elle a survécu aux attentats du 11 septembre, les plus meurtriers de tous les temps. Ce jour-là, Tanya Head était dans l'une des tours jumelles. Et depuis 5 ans, elle lutte sans relâche pour que cette journée tragique ne soit jamais oubliée. Le 9 septembre 2005, Harper quitte cette cérémonie complètement galvanisée. Le discours de Tanya l'a vraiment touchée. Mais 2 ans plus tard, elle tombe sur un article qui lui donne envie de fausse guerre. On parle d'identité dans cette vidéo, c'est le moment parfait pour vous parler d'un super outil qui vous en dira plus sur la vôtre. MyHeritage, le sponsor de cette vidéo. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si vous étiez cousin avec Brad Pitt ou si vous étiez descendant d'un roi de France? Il faut savoir que sur MyHeritage, un utilisateur a découvert qu'il était un parent éloigné d'Abraham Lincoln. Et croyez-le ou non, ce genre de correspondances généalogiques ne sont pas du tout rares. Perso, je viens du Congo, un pays où les registres peuvent être difficiles à trouver. Du coup, constituer un arbre généalogique complet, c'est assez compliqué. Mais grâce à MyHeritage, j'ai pu accéder à des informations que je n'aurais jamais imaginé trouver. On fait un petit bond dans le temps. On est en 2021. À cette époque-là, j'avais déjà commencé à utiliser le site pour mes propres recherches. Et j'ai découvert un secret familial vraiment surprenant. La grand-mère de mon grand-père paternel s'appelait Jeannette Leta. De ce qu'on sait, elle était certainement métisse. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde dans ma famille
savait, dont tout le monde se doutait, à part notre génération à nous. Pour moi, c'était une découverte vraiment dingue, parce que je m'en doutais absolument pas, hein. Et surtout, c'est une découverte qui a ouvert de nombreuses questions. Le plus génial quand même, c'est que j'ai eu la chance de connecter avec une cousine américaine que je ne connaissais absolument pas. C'est vraiment incroyable de savoir qu'on a potentiellement de la famille dans le monde entier. MyHeritage utilise un système de correspondance appelé Instant Discoveries. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un système qui compare votre arbre généalogique à des millions d'autres arbres dans leur base de données. Et quand ils trouvent des correspondances, ils vous les proposent. Après, c'est à vous de décider si effectivement ces personnes font bien partie de votre famille ou non. C'est vraiment une fonctionnalité puissante parce qu'elle ne se contente pas d'ajouter un ou deux membres de la famille à votre arbre, mais elle peut ajouter des générations entières en un seul clic. On est vraiment dans un mix entre recherche traditionnelle et modernité. D'abord, MyHeritage, c'est une archive géante. Sa base de données compte plus de 19 milliards de documents historiques. Et dans le même temps, vous pouvez utiliser des technologies hyper cool qui vous permettent de coloriser de vieilles photos de famille. Ils ont même un outil qui permet d'animer ces photos. Si vous êtes curieux de découvrir votre histoire familiale, je vous recommande vraiment d'essayer MyHeritage. D'ailleurs, en ce moment, ils vous proposent une période d'essai gratuite, donc c'est l'occasion parfaite pour se lancer. Je vous mets le lien dans la description. Je vous encourage vraiment à aller faire un petit test, croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Le 11 septembre 2001, Tanya Head commence sa journée en pilote automatique. On est mardi, mais elle rêve déjà du week-end. Franchement, Tanya n'a aucune envie de bosser. Si elle le pouvait, elle serait chez elle à préparer son mariage avec Dave, l'amour de sa vie. Mais bon, les factures ne vont pas se payer toutes seules. Heureusement, il fait super beau ce jour-là. Ça donne un peu le moral. Tanya prend une grande inspiration et entre dans la tour sud du World Trade Center. Elle monte ensuite au 78e étage en ascenseur. Deux minutes plus tard, elle se retrouve devant le logo de Merrill Lynch, l'entreprise pour laquelle elle travaille. C'est un gros cabinet spécialisé dans les investissements, la gestion d'actifs financiers, plein de choses que je ne comprends pas. Tanya est vraiment contente de bosser ce jour-là. Les journées peuvent être un petit peu longues, mais c'est quand même une boîte prestigieuse avec une très très belle vue. Sur son CV, ça rend bien. En plus de ça, elle a une licence d'Harvard, un MBA de Stanford. Elle n'aura jamais de mal à trouver un travail. À 8h46, la jeune femme s'installe dans la salle de conférence. En attendant que ses collègues arrivent pour la réunion, elle pense à Dave, son futur mari. À travers la baie vitrée, elle voit la tour nord du World Trade Center. Dave, qui est consultant pour une grosse boîte, travaille justement au 100e étage de cette tour. Il se trouve à une soixantaine de mètres d'elle. Elle aimerait bien le serrer dans ses bras. Elle espère vraiment que cette journée va vite passer. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Là, c'est le choc. Devant Tanya, un avion d'American Airlines s'écrase dans la tour nord du World Trade Center. C'est presque impossible de comprendre ce qui se passe. C'est tout droit sorti d'un film. Malgré la distance, Tanya sent une sorte d'onde de choc. Ensuite, elle entend des hurlements. Les flammes sont en train de dévorer le bâtiment. Autour de Tanya, c'est là. Panique. Elle entend ses collègues courir dans tous les sens, appeler la police, crier, mais elle, elle est complètement figée. Elle pense à une seule personne, Dave. Est-ce qu'il va bien ? Est-ce qu'il est même encore en vie ? Paralysée par l'émotion, Tanya ne peut rien faire d'autre que fixer la tour nord qui est en train de brûler. Et alors qu'elle est totalement perdue dans ses pensées, une douleur intense la frappe. Elle vient d'être projetée à toute vitesse contre un mur. Mais ce n'est pas tout, son bras droit est littéralement en feu. Avec beaucoup de difficultés, Tanya ouvre les yeux. Et ce qu'elle voit la traumatise immédiatement. La grande baie vitrée a volé en éclats. Il y a des débris absolument partout. Plusieurs murs sont tombés, des plafonniers se sont écrasés, et au milieu de tous ces décombres, elle aperçoit des corps inanimé. À ce moment-là, l'instinct de survie de Tanya lui hurle de sortir de là. Elle est incapable de l'expliquer, mais quelque chose lui fait sentir que si elle reste là, c'est la fin. Alors Tanya se bat, toujours à même le sol, elle rampe jusqu'à la porte de sortie. À chaque fois que son bras droit touche les carreaux, elle a l'impression que quelqu'un lui arrache la peau. Mais elle ne se laisse pas décourager, elle doit survivre. Un mouvement après l'autre, Tanya parvient à sortir de son bureau. Sur sa route, elle voit des choses qui la hanteront jusqu'à la fin de ses jours. Des personnes mortes, les yeux grands ouverts, d'autres qui ont perdu leurs membres. C'est tout simplement horrible. Mais pas le temps de paniquer. À l'instant T, Tanya est concentrée sur sa survie avant tout. Dans la cage d'escalier, elle entend une voix. Le son est faible, mais clairement, quelqu'un l'appelle. C'est un homme. Il est allongé sur le sol, du sang s'échappe de ses narines, et surtout, il est complètement couvert de gravats. On le voit bien, il n'en a plus pour très longtemps.
Mais avant de mourir, l'inconnu lui demande une petite faveur. Je sais qu'on ne se connaît pas, mais est-ce que vous pourriez prendre mon alliance et la remettre à mon épouse ? Tanya accepte. Elle prend la bague et elle mémorise le nom de la femme. Normalement, elle serait restée avec cet homme jusqu'à l'arrivée des secours, mais pas aujourd'hui. Pile au moment où elle glisse la bague dans sa poche, la tour sud se met à trembler. Et surtout, la fumée devient de plus en plus épaisse. Tanya sent que la structure est en train de faiblir. Cet immeuble n'en a plus pour très longtemps avant de s'effondrer sur lui-même. Alors là, elle jette un dernier regard à l'homme. Leurs regards se croisent. En fait, ils n'ont pas besoin de prononcer le moindre mot. Ils savent qu'il s'agit d'un adieu. Tanya continue de ramper vers les escaliers, tant bien que mal. Mais entre ses blessures et la fumée, elle est rapidement à bout de souffle. Elle cherche à prendre son souffle, mais rien. Petit à petit, sa vue devient floue. Ses membres sont de plus en plus faibles. Elle n'a plus du tout la force de continuer. And I started crawling over people who were burnt from head to toe, who were cut up, and I was trying to help them. Deux secondes avant que ses yeux ne se ferment, elle voit un homme arriver vers elle. Il porte un bandana rouge et il a l'air de courir dans sa direction. C'est très bizarre. This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now raining debris on all of us. We better get out of the way. I hear the top of the building fell down. I hope I live. It's coming down on me. Quand Tanya rouvre les yeux, les bruits et la fumée ont disparu. Sur sa gauche, elle aperçoit un appareil de surveillance cardiaque. Une infirmière entre dans la pièce. Tanya va bien, elle a survécu. 10 jours plus tôt, elle a été sauvée des flammes par Wells Crother, celui qu'on surnomme l'homme au bandana rouge. He was in the towers. He loved working in the towers. Wells had gone back into the burning South Tower at least 3 times that morning. In all, he rescued 18 people. Elle fait partie des 19 personnes qui se trouvaient au-dessus de la zone d'impact et qui ont survécu. Mais son bonheur est de courte durée. Après avoir repris ses esprits, Tanya pense immédiatement à Dave. Mais où est-il ? Que lui est-il arrivé ? Malheureusement, son futur mari n'a pas eu la même chance qu'elle. Il fait partie des plus de 2000 personnes décédées lors des attentats. Quand elle apprend la nouvelle, Tanya s'effondre. Pour elle, le temps n'est pas passé. Elle a l'impression d'avoir quitté Dave le matin même. Il y a encore quelques minutes, elle pensait à son mariage, à son amour. Mais tout est terminé. La vie continue dehors. Elle entend les bruits classiques de New York, notamment les klaxons des taxis. Immédiatement, un souvenir lui vient. C'est comme ça que Dave et elle s'étaient rencontrés, en partageant un taxi. Bon, la réalité, c'est que Dave lui avait piqué son taxi, et pour faire amende honorable, il lui avait proposé qu'ils fassent la route ensemble. Et aujourd'hui, plus rien, plus de Dave, plus de mariage. Alors qu'elle n'a que 28 ans, Tanya Head a l'impression que son monde s'écroule. Et alors qu'elle est sur le point de complètement craquer, elle aperçoit une alliance sur la table de chevet. Là, elle reprend un peu de courage. Elle ne peut pas se laisser aller. Quelque part, une épouse attend des réponses. The odds were against me. And I was faced with many choices that day, and I somehow, I'd have to say I made all the right choices, and that was very lucky, because I don't think I'd be here talking to you if I hadn't made some of those choices. All these other thousands of people are dead, but I'm still here. You know, most of it is due to luck. I worked on a low floor. I didn't stick around the area. I just left. You know, I'm fortunate, I'm lucky, so I try to do things to help others out as well. Here it's a duty to do something with our survivor experience. Dès qu'elle sort de l'hôpital, Tanya Head part en mission. Dans le taxi qui la conduit chez elle, elle observe la bague que lui a donnée l'étranger. Cette bague représente à la fois son passé et son futur. Pour certains, se mettre en couple, c'est une sorte de formalité. C'est quelque chose qu'on fait, histoire de ne pas être célibataire. Mais pour Tanya, Dave, c'était l'amour de sa vie. Cette bague lui rappelle la relation que les terroristes lui ont volée. Et parallèlement, cette alliance est aussi le symbole de sa renaissance.
Cet homme, elle ne connaît pas son nom, mais elle était là pendant ses derniers instants. Et à défaut d'avoir pu le sauver, elle peut raconter ses dernières heures à sa famille. Ça ne le ramènera pas, c'est sûr, mais ça aidera ses proches à faire le deuil. Ce jour-là, Tanya Head rentre dans son appartement new-yorkais. Sans Dave, le lieu n'est pas du tout chaleureux ni accueillant. Chaque coin de l'appartement lui rappelle des souvenirs. Franchement, elle aurait préféré rester à l'hôpital. Pour s'occuper, Tanya devient obsédée par l'idée de rendre cette bague à la femme de l'inconnu. Peu de temps après, elle réussit à la localiser grâce aux informations qu'il lui a transmises avant de mourir. Il m'a demandé de vous confier cette bague. Il vous aimait beaucoup. La conversation a lieu dans un café autour d'une petite boisson chaude. Et bizarrement, quand Tanya quitte les lieux, elle sent à quel point cette femme est apaisée. C'est à ce moment précis que Tanya Head réalise la puissance des histoires. Ce qui s'est passé est horrible, mais c'est uniquement en libérant la parole que le deuil peut réellement commencer. Le souci, c'est qu'en ce moment, New York est encore un peu chaotique. Tanya ne sait pas par où commencer et elle décide donc de lancer un groupe d'entraide. De fil en aiguille, Tanya se retrouve à gérer une communauté comptant des centaines de membres. Il y a des survivants, des proches de rescapés, mais aussi des secouristes complètement traumatisés par ce qu'ils ont vu. Ils partagent leurs expériences et ils échangent des conseils pour gérer leur stress post-traumatique. Tout se passe plutôt bien pour Tanya. Puis en 2004, elle reçoit un mail qui va bouleverser sa vie. L'expéditeur, c'est un certain Jerry Bogatch. Le jour des attaques, il était au 82e étage de la tour Nord. Peu après son être sorti, il a eu la même idée que Tanya. Il a créé un groupe de soutien. Et s'il écrit à Tanya, n'est pas pour créer une pseudo-rivalité entre leurs groupes. En fait, plusieurs personnes lui ont parlé d'elle en bien et il pense que l'union fait la force. Il propose à Tanya de fusionner leurs deux communautés. Avec plus de membres, leurs voix porteront bien plus loin. Tanya lit l'email et elle réfléchit. Elle décide d'étudier la possibilité, mais elle est claire. Avant tout, elle veut apprendre à connaître ce réseau de survivants. Si ça ne fonctionne pas, chacun restera de son côté. Quelques mois après leurs premiers échanges, Jerry et Tanya fusionnent leur groupe. Et tout de suite, Tanya se distingue par son engagement. Elle a le courage de raconter avec des mots justes, même quand ça fait mal. Elle donne des conférences sur le 11 septembre, partage son histoire et elle brille vraiment par son dévouement. Elle est tellement engagée qu'elle n'hésite pas à investir son propre argent pour aider les victimes. She put so much effort into the Survivors Network that it always made me feel guilty that I wasn't doing more. Preparing materials, trying to do fundraisers, creating the agendas for the meetings, lining up speakers, things like that. She gave a lot of money also to the organization. She paid a lot of things out of her own pocket. I could never give as much of myself as she seemed to give. She just continued to work and continued to help the survivors and she was there for everyone, so I just felt that rather than to just keep the pain bottled up, I would have been able to like talk to her about it and she could have helped me relieve some of the pain that I felt. Her experiences seem to be more than many of the other people who are involved in the Survivors Network. And even though we try to be egalitarian and equal and, you know, there's no question that this hierarchy of suffering does form. And the stories that we were telling didn't seem to have as much impact as what she experienced. C'est un réseau de bénévoles. Personne n'est payé et le gouvernement américain n'est pas toujours d'une grande aide. Mais Tanya, elle, est bien présente. En plus de son soutien financier, elle ne compte pas ses heures. Tanya porte la voix des victimes partout. Dans les médias, les universités, même à la télé. Elle reste jusqu'à tard pour organiser des ateliers où les survivants peuvent parler de ce qu'ils ont vécu. En vrai, son travail est incroyable. Elle réussit même à sécuriser des fonds pour le réseau d'entraide et à convaincre un psychologue d'aider gratuitement les victimes. L'une de ses plus grandes réussites, c'est quand elle obtient pour les survivants un accès exclusif au Ground Zero. Alors qu'est-ce que c'est que Ground Zero? Quand les deux tours se sont effondrées, des millions de débris sont tombés. Et en 2001, la zone est encore encombrée de restes de bâtiments. Sous ces débris, il y a notamment des corps humains qui n'ont pas encore été dégagés. Cet endroit, on l'appelle Ground Zero, et parfois aussi The Pit. Pour les survivants, retourner sur les lieux, c'est se donner une autre chance de guérir. If we wanted to go visit Ground Zero to try to get some closure, we were not allowed access. We had to stand out around the big metal gates with all of the tourists taking their pictures and talking loudly or stand next to the people selling the horrible tacky merchandise of, you know, the picture books of the attacks and things like that. There was no quiet place for survivors to go
to be able to have some closure with the site or to say goodbye to their coworkers or anything else they lost that day. D'abord, la mairie de New York n'était pas du tout d'accord. Il a fallu que Tania mène une véritable bataille pour que le maire change d'avis. Finalement, les survivants des attentats, et uniquement eux, obtiennent l'accès au Ground Zero. En 2001, Tania devient une petite star. C'est la survivante la plus connue du 11 septembre. La presse l'adore, les survivants lui font confiance, mais elle commence à remarquer que certains membres changent d'attitude à son égard. Parfois, il la regarde en coin, d'autres fois, il murmure sur son passage, un peu bizarre. Au début, Tania pense qu'il s'agit seulement de jalousie, mais très vite, elle réalise que c'est bien pire que ça. Aux États-Unis, quand on veut colporter des ragots, on dit qu'on « spill the tea ». En français, ça veut dire qu'on sert le thé. Et dans le cas de Tania Head, le thé est brûlant. Tania, elle aime bien parler. Pas seulement à l'oral, mais aussi par écrit. Le groupe de survivants regroupe plus de 500 membres. Et souvent, Tania leur envoie à tous des emails interminables. Je parle de mails de 1000, 2000 mots, voire plus. Et elle y raconte quoi ? Eh bien, un tas de trucs. Par exemple, un jour, Tania se balade dans les rues de New York, et là, elle voit un jeune couple marié. Ça lui rappelle une anecdote. Après la mort de Dave, forcément, leur mariage est annulé. Tania se retrouve donc avec une robe à plusieurs milliers de dollars sur les bras. Amoureuse de l'amour, Tania ne revend pas cette robe. À la place, elle la donne à une femme dans le besoin. Le jour où elle voit ce couple fraîchement marié dans la rue, ça lui rappelle sa propre robe de mariée. Alors, elle rentre chez elle et raconte ce petit bout de vie dans un email qu'elle envoie aux 500 membres du réseau. Suddenly, life is no longer about what you have, it becomes about what you don't have. And that, my friend, sets us off into our search for the stars. Bien sûr, ce n'est pas un crime de partager ses pensées. C'est même plutôt bien. Mais au bout d'un moment, certaines personnes commencent à être agacées par ces emails. Ce n'est pas juste qu'ils sont nombreux, c'est aussi qu'ils se contredisent assez souvent. Après avoir rejoint le World Trade Center Survivors Network, Tania embellit vachement son histoire. Par exemple, elle raconte que pendant l'attaque, elle a vu la tête de son assistante être décapitée sous ses yeux. Mais quand on lui demande le nom de cette assistante, elle n'a jamais de réponse claire. Même si elles n'étaient pas meilleures amies, c'était quand même son assistante. Comment peut-elle ne pas connaître son nom de famille ? C'est trop bizarre. Même chose avec Dave, son compagnon. Parfois ils sont mariés, parfois ils sont fiancés. Et là encore, Tania est incapable de donner son nom de famille. On parle quand même de l'homme qu'elle était littéralement sur le point d'épouser. En plus, à plusieurs reprises, elle dit une chose, puis son contraire. Dans son récit original, elle affirme avoir été sauvée par Wes Crowther. Alors, ce pompier volontaire de 24 ans a aidé 18 personnes à sortir en vie de la tour sud. Pour se protéger de la fumée, il portait un bandana rouge sur le nez. Ça lui vaudra son surnom de l'homme au bandana rouge. Dès le début, Tania dit qu'elle a vu Wells avant de s'évanouir et qu'il l'a mise en sécurité. Puis elle change de version, elle dit qu'elle ne l'a pas vu directement, mais qu'il aurait éteint un feu qui s'était déclenché sur son dos. I just didn't want to pry, I didn't want to make her feel worse, I didn't want to ask more questions. Even when you did ask questions when she was emotional, she would still answer them, she would just, you know, continue to be emotional. It never prevented her from answering your questions, but I think it made people less willing to ask more questions. When she first told me she was on the 78th floor, one of the first things I said was, did you see the man with the red bandana? And the answer was yes, she saw him. But over time that became, not only did she see him, but he put the fire out on her back. And I think possibly that he led her to the stairwell or something. So it seemed to change over time. That's what I noticed. En mai 2002, un an et demi après l'attaque, le New York Times décide de raconter l'histoire des 19 survivants qui étaient au-dessus du point d'impact. Et là, surprise, Tania n'est pas dans la liste. Les membres du réseau de survivants sont assez étonnés. Et là, ça commence à jaser sur Tania. Tout le monde reconnaît qu'elle fait un super boulot pour le groupe, mais en même temps, certains détails de son histoire ne collent pas. Les membres en discutent entre eux, mais bon, ils se disent que c'est peut-être le traumatisme qui affecte sa mémoire. Et puis, vu ce qu'elle a traversé, ils n'osent pas trop lui demander des preuves. Ça semblerait un peu malpoli. Du coup, personne ne dit rien. En 2006, Tania devient présidente du World Trade Center Survivors Network. Pendant un an, elle vit sa meilleure vie. Mais en 2007, les choses se compliquent. Le New York Times décide de faire un article complet sur Tania Head. Pas juste un papier où elle raconte son histoire, non. Ils veulent aussi des témoignages de sa famille, de sa belle-famille et de ses collègues. En gros, ils veulent montrer la vie après les attentats vue par une survivante et son entourage. Le New York Times, c'est du sérieux. Ils n'ont pas peur de poser des questions et de fouiller dans les archives. The reporter actually called me. He said, you know, we're doing a story on Tania. I said, well, that's nice. And I just assumed it was, had something to do with the anniversary that was coming up, and, or had just passed, actually. And
her story and so forth, you know, she was president of the Survivors Network, it seemed all very logical. When he started asking the questions, though, it became obvious after a couple of minutes that it wasn't, that it was an investigation. He was asking me a lot about what she had told me about her story, a lot of details. You know, none of this seemed to be for a story that was going to be just about her and her experience. He was asking me if I'd ever been to her apartment. Did she say that Dave was her fiancé? Things that you wouldn't necessarily ask if you believed somebody's story. He said, but there are just a few details that we can't, you know, just a few facts we can't seem quite to get. Some discrepancies. And I remember thinking to myself, what horrible people they are. Après 3 entrevues avec les journalistes, Tania se braque. Elle commence à dire partout que le New York Times essaie de détruire sa réputation. Les journalistes ne réagissent pas à ces accusations. Ils font leur travail et ils écrivent l'article. En septembre 2007, en première page du journal, les New Yorkais peuvent lire « Sky Full of Lies », un ciel plein de mensonges. L'article est accompagné d'une photo de Tania Head. Le New York Times vient de démasquer l'une des plus grandes mythomanes que les États-Unis aient connue. Tania Head ne s'appelle même pas Tania Head. Son vrai nom, c'est Alicia Esteve Head, et elle est espagnole. Quand les attaques du 11 septembre ont eu lieu, elle ne vivait même pas à New York. Elle suivait un master à Barcelone, sa ville natale. Et les journalistes en sont sûrs parce que plusieurs de ses camarades l'ont confirmé. Bien sûr, ni Harvard, ni Stanford n'ont jamais entendu parler d'elle. Et pour couronner le tout, elle n'a jamais travaillé chez Merrill Lynch. D'ailleurs, Merrill Lynch n'avait même pas de bureau au World Trade Center. Tout ce que Tania Head raconte depuis 6 ans, ce ne sont que des mensonges. Et malheureusement, elle a l'habitude de raconter n'importe quoi. Selon ses amis, Tania ment sur tout et sans raison. Par exemple, au sujet de sa brûlure au bras, elle peut dire qu'elle a été causée par un accident de voiture, par un train ou même par un cheval. Et on dirait bien que la malhonnêteté est de famille, puisque son père et son frère ont été condamnés pour escroquerie. Quand elle lance ce groupe de soutien, Tania Head n'est même pas encore aux États-Unis. Elle est toujours en Espagne. La première fois qu'elle met les pieds en Amérique, c'est en 2003, soit 2 ans après les attentats. La révélation des mensonges de Tania Head a suscité un mélange de choc, de déception et de colère parmi le public et les survivants. Neither Head nor her lawyer are talking. There is no evidence Head ever made money off her story, but she did make herself famous. Here she is. She's a survivor. This is Tania. She's also a survivor and she's also one of my best friends. She had all the key elements from everyone else's story. I saw it. I ran from it. She saw it, ran from it, survived it, lost a husband. Everyone else had one element, she had all the elements, the perfect storm. Beaucoup ont été abasourdis par l'ampleur de sa tromperie, surtout compte tenu de son rôle de leader au sein de ce réseau. En tant que présidente de cette organisation, elle avait gagné la confiance et l'admiration de nombreux survivants. Forcément, pour les membres du groupe, c'est un vrai crève-cœur. Mais étonnamment, en faisant mes recherches, j'ai vu qu'il n'avait pas été très vindicatif. En interview, ils disent tous qu'ils sont profondément déçus par l'attitude de Tania, mais ils insistent aussi sur le fait qu'elle s'est beaucoup investie pour leur cause. Ouais, je sais pas trop. Peut-être que le fait qu'elle n'ait jamais escroqué qui que ce soit a joué en sa faveur. I'm very torn. She did a lot of good for our organization, and to have all of that discredited is a hard thing to discredit at all. I mean, she still did good for our organization. But she didn't have to lie. She could have done those things without labeling herself as something she wasn't. It's taking advantage of people. Again, if everything is as it seems, you know, it's taking advantage of people. And if you take advantage of particularly vulnerable people, that's probably even worse. Après ce scandale, Tania Head fait ses bagages et rentre en Espagne. Ensuite, on perd un peu sa trace. Apparemment, en 2021, elle aurait ouvert une compagnie de rénovation à Barcelone. Et c'est tout. Elle n'a plus jamais fait parler d'elle. Et c'est tant mieux. Vraiment, Tania Head est la preuve qu'il faut toujours vérifier les récits extraordinaires. Parfois, on ne le fait pas pour ne pas blesser les vraies victimes, mais c'est nécessaire pour éviter que des mythomanes comme Tania puissent profiter de la situation. Et pourtant, hein, il aurait suffi d'un coup d'œil sur les albums photos d'Harvard ou de Stanford pour se rendre compte que quelque chose clochait. J'ai traité une histoire similaire qui s'est déroulée en France, cette fois avec les attentats de Paris. D'ailleurs, je crois que cette affaire est bien pire. Hein. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo si le sujet des usurpateurs vous intéresse.
En tout cas, moi, j'attends vos avis sur cette histoire folle. Mais avant de taper vos commentaires, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo et à la partager pour faire connaître cette histoire. Si vous avez encore un peu de temps libre, je vous encourage aussi à découvrir l'histoire qui s'affiche à l'écran. Elle est tout aussi délirante. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Si vous êtes curieux de découvrir votre histoire familiale ou si vous avez envie d'en apprendre plus sur vos racines, n'oubliez pas d'essayer MyHeritage. En ce moment, ils proposent une période d'essai gratuite, donc c'est l'occasion parfaite pour vous lancer. Vraiment, je ne vous recommanderais jamais autant un produit que MyHeritage. C'est juste incroyable, c'est un cadeau inestimable qu'on se fait d'en apprendre plus sur soi et sur ses ancêtres. Vous allez vous amuser, je vous jure que vous allez beaucoup vous amuser. Le lien se trouve dans la description.